c'est un mois plutôt solidaire avec tout ce qui concerne le cancer du sein, mais qui aussi concerne tout le monde, quoi. Enfin, c'est soit les femmes, les hommes. Je pense que c'est important que c'est pas seulement pour l'Octobre Rose, que c'est pour toute l'année. C'est pas juste Octobre Rose, alors c'est un mois pour montrer pour le monde, c'est Octobre Rose. Tu vois les maillots roses et tout, mais je pense que c'est pour tout le temps, c'est pour toutes les années. On doit savoir que cette maladie est ici pour les femmes. Alors je pense que c'est important toutes les années, pas juste Octobre Rose. On sait tous que c'est un cancer qui fait pas mal de dégâts tous les ans. Donc moi je trouve que ça a été une bonne initiative aussi de la part du club de montrer un soutien entre guillemets à cette cause. Le dépistage est important parce que forcément, mieux t'es pris en charge tôt, mieux c'est pour tout le monde. C'est pas seulement important pour cette concret type de cancer, mais ouais, c'est très important parce que c'est pas les mêmes si les médecins trouvent que tu as le cancer à le premier moment de le cancer que si tu vas après une année, après 2 ans. Le pronostic, c'est très très important. C'est nécessaire pour trouver si tu es malade. Vas-y chez le médecin, vas-y pour ce dépistage. C'est mieux que faire rien. Il y a 12 000 femmes par an qui meurent du cancer du sein. Donc non, c'est quelque chose vraiment de très sérieux. On sait que les sportifs ont quand même une voix assez importante dans le milieu, dans la vie de tous les jours. Donc on essaye à notre échelle d'être impliqué le plus possible et de faire porter cette voix au plus grand nombre via ce maillot et en espérant que ça touche notamment des gens qui viennent au Palais des Sports pendant les matchs et qui peuvent pourquoi pas être sensibilisés et aller se faire tester, éviter pourquoi pas des cas plus graves ou des cas moins graves, mais aller se faire être sensibilisé, aller se faire dépister. C'est très important de participer à la vente aux enchères parce que déjà, ça vous permettra d'acheter les maillots de vos joueurs favoris, on va dire ça entre guillemets, et de faire des dons, que ce soit financiers ou même, je pense, personnels, peut-être sur du temps qu'on peut investir, etc. C'est toujours important pour les associations qui agissent. Les maillots sont sympas en plus, donc autant allier l'utile à l'agréable. Mais ouais, y a un site qui a été mis en place par le club pour vendre nos maillots, enfin certains de nos maillots justement, et qui après irait cet argent irait justement à la recherche contre la lutte contre le cancer. Donc c'est aussi bien aider le club à se faire connaître et ce qu'on met en place au sein du club, mais c'est surtout aussi aider la lutte contre le cancer. Donc c'est deux choses qui sont importantes aussi bien pour le club que pour les joueurs en général. Il y a le Covid qui est avec nous depuis 2 ans, mais il y a aussi beaucoup de cancers qui sont là et il faut clairement qu'on fasse plus de dépistage au niveau du cancer. Donc forcément, il n'y a aucune honte à aller faire un test, à aller se faire tester, enfin se faire tester c'est un mot en ce moment qu'on emploie souvent, mais aller se faire dépister et dans certains cas, ça peut sauver des vies. Donc forcément, aller se faire dépister le plus tôt possible et ça sauvera des vies indirectement. Hein,